Hello à tous! Alors attendez, j'ai un petit problème de caméra. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Euh, là, on se retrouve aujourd'hui. Hello Fusioni! On se retrouve aujourd'hui pour parler de programmation fonctionnelle et euh, une introduction à un hein, des langages de programmation fonctionnelle qui, euh, qui est vraiment très intéressant, qui est le Haskell. Donc, euh, pourquoi est-ce que euh, Hello Didio34? Alors en fait aujourd'hui, euh, alors attendez, je vois que j'ai mon écran qui clignote un peu. Je pense que j'ai un de mes câbles qui est mal branché. Je pense qu'on va être bon. Non, on n'est pas bon du tout. Deux petites secondes, je vois qu'il y a un de mes câbles qui ne marche pas bien. Hop. Alors, est-ce qu'on va être bon Est-ce qu'on va retrouver ah, La dernière fois, j'ai eu le même problème. J'ai été obligé de redémarrer le stream. De petites secondes. J'espère qu'on va pas se taper la même galère que la dernière fois. Alors, capture vidéo. On n'est pas mieux. <laughs> Merci, Dids, euh, pour ton abo. Alors, attendez. Je pense que j'ai un de mes câbles qui doit être. Merci pour le sub, Monet V4. Désolé, 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 désolé. Mais par contre, là, cette fois-ci, c'est sûr, on va pas se retrouver en galère comme la dernière fois. Parce que je le refuse. Merci pour les subs, Zemutiel. Alors, là, a priori, je retrouve quelque chose de correct de ce côté-là. Capture vidéo, hop. Ajouter une source. Voilà. On est bon. Ok. Merci pour les subs. Merci. Euh... <laughs> Merci Léo, merci Rafik. Donc, aujourd'hui on se retrouve, alors pour parler de programmation fonctionnelle, alors qu'est-ce que c'est que cette affaire Donc vous, jusqu'à aujourd'hui, en fait, vous avez eu l'occasion d'aborder la programmation selon un certains aspect. Merci Rotog, Rotrog, ouais j'arrive pas à prononcer les, 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 les... <laughs> j'arrive pas à prononcer les logins, désolé. Euh, donc euh, jusqu'à présent, vous avez eu l'occasion euh, d'aborder la programmation euh, selon un certain paradigme. Et le paradigme que, que l'on connaît jusqu'à présent, là, le paradigme de programmation, c'est celui qui s'appelle le paradigme impératif. Donc en fait, le paradigme impératif, euh, c'est un, para un paradigme, wow, j'ai lu Wikipédia, qui décrit les opérations en séquence d'instructions exécutées par l'ordinateur pour modifier. Euh, L'état du programme. Donc en fait, l'idée c'est quoi C'est lorsque l'on programme en langage impératif, typiquement euh, le C, le C, euh, le Java, le JavaScript, etc., sous un format traditionnel, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on a affaire à une machine à état fini dans laquelle euh, on a des blocs en mémoire dans laquelle on va euh, lire et écrire des instructions. Et le fait de lire et d'écrire ces instructions vont permettre de détourner le fonctionnement des, des, des algorithmes selon certains états pour arriver à nos fins. Donc, Typiquement, lorsqu'on lorsqu écrit dans un langage de programmation impératif, bah finalement, notre programme, lorsqu'on le lit, eh ben, on regarde, on, on voit, euh, on décrit à l'ordinateur ce qu'on attend de lui pour qu'il puisse réaliser l'opération qu'on qu attend de lui. En fait, on lui dit précisément euh, ce qu'il doit faire pour atteindre notre objectif. Euh, lorsqu'on lui demande euh, de... de, de euh, de trier par exemple une liste de, de, une liste de nombres, eh ben on va lui décrire en fait. Merci Jordan. On va lui décrire euh, en fait on va lui décrire euh, où se trouvent les blocs en mémoire euh, qui vont emmagasiner cette liste de nombres. Et puis on va lui dire comment est-ce que il va euh, déplacer cette suite de nombres là euh, jusqu'à obtenir une séquence de nombres triés. Donc finalement en fait un ordinateur euh, un, un algorithme. Euh, merci euh, Léo pour euh, les tiens. Finalement, un algorithme de, de programmation impérative, eh ben, euh, ça va être une succession d'instructions dans laquelle on va dire à l'ordinateur, bah, cette zone en mémoire, tu la lis, tu l'écris, tu la modifies, euh, tu sautes à un autre endroit de la mémoire pour continuer le flux d'exécution du logiciel. Mais enfin, bref, c'est très bah, directif, c'est très impératif. On décrit le fonctionnement de l'algorithme à l'ordinateur. À côté de ça, la programmation fonctionnelle, euh, on a plus à faire. À une, à une séquence de fonctions qui vont agir comme des boîtes noires, qui vont opérer les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'en entrée de fonctions, on va avoir des valeurs, on va avoir des fonctions qui vont se comporter un petit peu comme des boîtes noires, qui vont checker, manipuler un peu cette, cette suite d'instructions pour en obtenir un résultat. Et en fait, lorsqu'on va avoir affaire à des fonctions, on va vraiment avoir affaire à des fonctions au sens mathématique du terme. Euh, quelle différence ça a par rapport à de la programmation fonctionnelle, euh, de la programmation impérative C'est que la programmation impérative, euh, ce qu'on appelle nous des fonctions un peu. Euh, en fait, ce ne sont pas vraiment des fonctions mathématiques au sens euh, strict du terme ce sont plus souvent des procédures ce sont plus souvent des instructions impacter euh, sous un sous un, sous une structure qu'on appelle fonction, procédure, etc. Mais ce ne sont pas des fonctions mathématiques au sens strict du terme. Pourquoi C'est que souvent ces fonctions, elles, elles ont des effets de bord. Elles dépendent de paramètres qui ne sont pas au sein de la fonction. Je donne comme exemple, euh, lorsque vous allez affaire à une fonction de type euh, malloc, bah en fait cette fonction malloc, lorsqu'on va l'appeler deux fois successivement avec le même paramètre, par exemple, lorsque je demande de faire malloc de 10 octets. Donc, si j'appelle deux fois malloc 10 au sein de mon programme, eh ben, ces deux mallocs, très certainement, vont me retourner une adresse mémoire différente. C'est-à-dire que le fonctionnement de cette fonction-là euh, dépend de l'état du système. Merci, CPPPool, pour ton sub. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ces fonctions-là, comme je vous l'ai dit, elles font des effets de bord, elles dépendent de l'état du système. Donc ça peut être très intéressant, dans le cadre de la programmation impérative, ça peut être très intéressant que deux appels successifs à malloc de 10 donnent deux zones en mémoire différentes. Donc, Parce que euh, c'est l'intérêt qu'on porte à cette fonction. On a envie qu'elle nous donne une nouvelle adresse mémoire pour, euh, pour, euh, pour continuer l'exécution de notre programme. Mais parfois, ça peut poser un peu des problèmes. Pourquoi Parce que euh, parfois, lorsqu'on est amené à lire du code ou à agir sur du code, on se rend compte qu'il existe des fonctions euh, dont le fonctionnement ne dépend pas uniquement des paramètres qu'on lui passe. Euh, qu'on qu lui passe. Ça dépend aussi de paramètres externes. Je vous donne un exemple. Je vais faire un petit exemple en C d'une fonction qui a un effet de bord, qui dépend euh, d'un paramètre extérieur qui est invisible dans la fonction. Donc là, je vais avoir une variable A. Merci pour les follow. Merci Léo tout à l'heure pour les tears. Donc, donc là, je code une petite, euh, un petit programme en C. Euh, hop. Donc là je code juste un petit programme en C de rien du tout et je fais un printf de pourcentage d add 10 Et ma fonction add 10, elle ajoute elle ajoute 10. Alors attendez. Ma fonction add10, elle ajoute 10 à un nombre que je lui passe en paramètre. OK. Donc vous voyez un peu cette fonction, et pas très compliquée à imaginer, je me dis, bon bah là, j'ai une fonction qui prend un nombre en paramètres et qui lui ajoute 10. Donc là, typiquement, Athènes, c'est une fonction qui est réellement... Euh, c'est une fonction mathématique au sens strict du terme. C'est-à-dire que euh, peu importe l'heure, le jour et le moment où je vais appeler Athènes en lui donnant 23 en paramètres, ça me, ça me renverra forcément 33 en sortie. Vous voyez que cette fonction, c'est une fonction mathématique au sens strict du terme, c'est que cette fonction, le résultat de cette fonction n'est piloté que par l'argument qu'on lui passe. En revanche, je pourrais avoir quelque chose de ce, de ce type-là. Okay. Je pourrais avoir quelque chose de ce type-là. Et là maintenant, donc là pour le moment, Athènes, elle dépend toujours uniquement que de x, mais cette fois-ci, elle dépend aussi d'une variable extérieure. C'est-à-dire que si je modifie cette variable-là, bah, vous voyez que je n'ai pas modifié le fonctionnement, j'ai pas modifié le corps de Athènes, et pourtant, le résultat de cette fonction va être modifié parce que je modifie un élément extérieur. Vous voyez que cette fonction, finalement, ce n'est plus une fonction au sens strict mathématique. Pourquoi Parce que son fonctionnement interne ne dépend pas uniquement des variables qu'on lui passe en paramètres. Donc, sur un petit exemple comme ça, ça ne paraît pas être. Là, c'était un pourcentage D ici. Sur un petit programme comme ça, ça ne paraît pas être euh, bien sorcier, en tout cas, de, 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 on ne voit pas trop le, le, le pourquoi du comment, on se prendrait la tête là-dessus. Mais lorsqu'on a affaire à des centaines de milliers de lignes de code dans le cadre d'un programme, eh ben, on se rend compte qu'en fait, il y a énormément de fonctions qui ne sont pas mathématiques. Ce sont des fonctions qui ont des effets de bord, qui dépendent de paramètres, qui proviennent de l'extérieur et qui peuvent... Euh, entraîner un bug qu'on a du mal à euh, comprendre. Vous êtes déjà retrouvé dans une situation où en fait, parce qu'à un moment donné, vous, vous aviez une erreur valgrind et vous aviez une variable qui était touchée, ça provoquait une erreur dans un autre espace en mémoire qui, provo qui provoquait une, une autre fonction beaucoup plus loin dans le code qui plante. Pourquoi Parce que on a une fonction A qui, à cause d'un dépassement de mémoire, allait toucher une zone en mémoire. Et cette zone en mémoire, une fonction B dépendait de cette zone en mémoire dans le cadre de son fonctionnement. Et du coup, on se retrouve à avoir une fonction B qui ne fonctionne plus parce qu'on a une fonction A qui fonctionne mal. Et ça, ça devient très difficile à débugger, en fait, lorsqu'on est amené à avoir des programmes qui sont très gros. Donc, en fait... Tout l'intérêt de la programmation fonctionnelle, c'est d'essayer de se détacher en fait de cette, de cette logique de machine à état fini sur laquelle on va agir pour pouvoir lire et écrire, modifier des paramètres afin de résoudre notre algo. Donc finalement, c'est une toute autre approche en fait. Et pour la petite histoire, si vous voulez un petit peu de, de contexte historique, on, on, très souvent, on a le comment dire. Très souvent, dans, dans l'histoire moderne de la programmation, enfin, l'histoire moderne de la programmation, l'histoire de la programmation, tout simplement, parce que si pour l'instant, il n'y a pas d'histoire moderne ou pas. Euh, l'histoire de la programmation, en fait, ça vient des travaux de Alan Turing. Alors, on en a peut-être déjà parlé, mais euh, c'est quelque chose euh, qui, euh, qui, qui peut être assez intéressant. Donc, en fait, Alan Turing, au début des années, euh, au début du, du 20 XXe siècle, les mathématiciens, en fait, ils sont confrontés à une... À, comment dire une euh, un problème assez euh, assez important, c'est le problème de c'est sur le calcul de la de la calculabilité. En fait, c'est c'est de savoir les mathématiciens les, les mathématiciens à l'époque en fait, ils travaillaient sur comme des mathématiciens euh, euh, standards travaillaient sur des résolutions de, de théorèmes, voir si des choses pouvaient se prouver ou non. Enfin, de, ils essayent de démontrer des, des théorèmes et puis en fait, dans le cadre de la démonstration de théorèmes, parfois ils étaient confrontés à des théorèmes un petit peu difficile à démontrer, et ils se sont posé la question de se dire, mais avant de commencer à démontrer ce théorème, est-ce qu'il existe des propositions indécidables Est-ce qu'il existe des choses euh, dont, dont, on sait à l'avance qu'on ne peut pas avoir de réponse à cette question Donc, c'est sur le calcul, c'est le, 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 le travail en fait sur la calculabilité a permis de mettre en évidence cette chose là, c'est que il existe. Des propositions qui ne sont pas décidables. Et en fait, comment est-ce qu'on a réussi à démontrer ça ben En fait, c'est Alan Turing qui a réussi à le démontrer. En tout cas, Alan Turing a été l'un des acteurs qui ont permis de le découvrir. Et lorsqu'il met en place un papier qui date de 1936, si je me souviens bien, ou 36, 37, voilà. Euh... En fait, il arrive avec une espèce de, 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 de façon de faire du calcul mathématique. Et en fait, dans sa façon de faire du calcul mathématique, il part du principe qu'on a un opérateur. Donc, un opérateur, c'est quelqu'un, un être humain, qui a une feuille de papier infinie sur laquelle il, il y a plein de cases. Et sur cette feuille de papier, il peut soit écrire, soit lire des nombres. Et cette feuille de papier, elle est séparée en cellules. Et sur ces cellules, il peut soit écrire, soit lire un nombre, soit se déplacer sur la droite ou soit sur la gauche du, euh, du papier. Et en fait, avec cette technique-là, il arrive à démontrer qu'il existe des calculs qu'on ne peut pas réaliser de façon... Euh euh, algorithmique, de façon mathématique, en ayant une logique mathématique de suivi, de démonstration. Quoi. Et donc là, il tombe sur le problème du point d'arrêt. Donc, il, il arrive à démontrer qu'il existe des calculs qui ne sont pas... qu'il existe des algorithmes qui ne peuvent pas se dérouler. Ce qu'on peut appeler communément, euh, en vulgarisant un petit peu, une boucle inf, lorsqu'on lorsqu programme, euh, lorsqu programme aujourd'hui, lorsqu'on tombe dans une boucle infinie, bah, on met en exergue ce truc-là. C'est il existe un programme qui ne peut pas se résoudre, dont on ne peut pas avoir la solution, parce que justement, il est en train de boucler. Donc, il arrive à mettre en lumière cette chose-là, et lorsqu'il met en lumière cette chose-là, eh ben, il fait appel à une, comment dire, un mécanisme de résolution de calcul, qui est ce fameux opérateur avec sa bande de papier infinie sur la droite et la gauche, et finalement, il commence à mettre euh, sur place les, les premiers éléments qui vont permettre de faire de la programmation impérative avec une machine à état sur laquelle on peut lire et écrire des choses en mémoire et puis se déplacer en fait ces choses en mémoire elles peuvent influencer directement le déroulement du calcul en lui-même. Donc en fait lorsqu'il met en évidence cette chose-là, bah il est quasiment le premier à le démontrer sauf que un peu avant lui, on a euh, Alonzo Church qui réussit à faire exactement la même démonstration, une démonstration euh, similaire, mais en utilisant ce qu'on appelle le lambda-calcul. Donc, en fait, ce sont des choses à base de, euh, cette fois-ci, pas à base d éta, d éta, de, de machines à état fini, mais à base de fonctions mathématiques, euh, etc. Donc, finalement, si vous voulez en savoir plus, je vous recommande de lire euh, ce bouquin-là, The Annotated Turing a Guided Tour Through uh, Turing Historic Paper donc, c'est un, un, un livre qui reprend en fait la démonstration d'alan turing euh, de l'époque, mais qui est a Et en fait, dans ce livre, il met en évidence, en fait, euh, toute la logique derrière laquelle euh, turing se, 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 se raccroche pour démontrer ce truc. et en fait, euh, on, dans, dans ce livre, il y a beaucoup d'éléments historiques, en fait, qui peuvent être très intéressants. si vous le savez, voir plus sur la programmation impérative, fonctionnelle, etc. donc, c'est un livre, en tout cas, je vous le recommande. il est vraiment hyper, hyper chouette. Quoi. Donc, la programmation fonctionnelle, c'est quoi C'est plutôt que de se baser sur une machine à état fini pour faire du calcul, on va se baser sur des fonctions mathématiques qui vont s'appeler les unes les autres pour euh, réussir à atteindre notre objectif de, de, de programmation. Donc, euh, là, on vient de faire une, une introduction. Là, je vois que ça fait un quart d'heure qu'on qu est ensemble, bon, malgré les cinq premières minutes de... Euh, de problèmes techniques mais on va commencer à rentrer un petit peu plus en détail dans le programme donc j'ai pas mal réfléchi en fait à comment aborder euh, cette histoire de programmation euh, euh, fonctionnelle et je me suis basé sur euh, une ressource que je, que je connais déjà depuis euh, quelques temps donc en fait l'idée c'est que on va commencer à programmer ensemble euh, donc je vais effacer ça on va utiliser un langage de, de programmation un de, mes pro un, un de mes langages de programmation de prédilection qui est si vous le savez bien le javascript pour aborder la programmation fonctionnelle alors hop donc l'idée c'est que on va regarder en fait en javascript comment est-ce qu'on fait euh, pour programmer en fonctionnel en fait qu'est ce que ça veut dire de programmer en fonctionnel je vais utiliser un langage qu'on connaît tous euh, ou en tout cas que vous connaissez très certainement pour commencer à mettre en place euh, des petites notations pour que vous puissiez voir en fait ce qu'il est possible de faire en programmation fonctionnelle et ce qui n'est pas possible de faire en programmation fonctionnelle. donc déjà on va commencer à s'imposer quelques limitations pour faire nos, euh, nos, euh, euh, nos, nos premiers exemples. donc déjà en fait les quelques premières limitations qu'on va s'imposer, ça va être déjà d'une part, euh, part de s'interdire d'utiliser des boucles, d'autre part de s'interdire d'utiliser des structures de type if and else et, euh, part, et et enfin on va certainement dire deux choses. Ça va être les, euh, les euh, statements de manière générale. Lorsque vous programmez en, de façon impérative, alors regardons un bout de code en impératif, j'en sais rien. On va regarder un bout de code en impératif. Je prends un premier truc, je cherche euh, euh, prime number. Pas. Alors. j'ai choisis un bout de code qui est codé en C, par exemple. Donc, imaginons, là, j'ai affaire à un bout de code qui est en C directement. Et qu'est-ce qui se passe Vous voyez qu'ici, en fait, on a, lorsqu'on lit du C, on a deux choses qui se, euh, qui se mélangent au sein du programme. On a d'une part des expressions et d'autre part des instructions. Une expression, c'est quoi Par exemple, ici, 3 c'est une expression. P fois P c'est une expression. 2 euh, fois P, c'est une expression. Euh, N, c'est une expression. Une expression, c'est quoi C'est un petit bout du programme qui peut s'évaluer comme étant une valeur. C'est-à-dire que derrière une expression, c'est une écriture qui, euh, qui peut s'évaluer et qui, euh, derrière laquelle on peut récupérer une valeur. À côté de ça, on a aussi des instructions. P égale 3, c'est une instruction. C'est Je dis à mon programme, à partir de maintenant, P va valeur 3. C'est crochet I égale true, c'est une instruction. Ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, la IM-case de mon tableau C commence à prendre la valeur true. Donc en fait, lorsqu'on a affaire à de la programmation impérative, au sein d'un programme, on mélange expression et instruction. Une expression, c'est quelque chose qui peut s'évaluer euh, en un nombre, alors qu'une euh, une instruction, c'est quelque chose qui s'évalue pas en un nombre. C'est quelque chose qui, euh, qui va demander à l'algo d'exécuter de, quelque chose. Donc là, je vois que euh, mon truc clignote. Donc je vais utiliser le, ce que Jordan m'a gentiment ramené tout à l'heure, parce que peut-être mon c'est mon adaptateur, peut-être micro-USB, HDMI. En attendant que je répare mon truc, comme je vous ai dit que on allait s'interdire d'utiliser des boucles et s'interdire d'utiliser des ifs and else, à votre avis, comment est-ce qu'on va réussir à faire euh, des choses qui s'apparentent à des boucles et comment est-ce qu'on va réussir à faire de la logique de programmation euh, structurée Parce que lorsqu'on appelle le ifs and else, bah, ça devient un peu compliqué de faire des structures de contrôle. quoi. Donc, selon vous. Le temps que je répare mon truc dans le chat, comment est-ce qu'on va compenser le fait que des boucles disparaissent, des for ou des while, et comment on va euh, compenser le fait que des ifs et else disparaissent Alors, it's... Euh, it's Raesta, on est bon pour les boucles. Hop. Ça y est, on revient. Donc, effectivement, on va s'affranchir de l'utilisation des boucles pour. Euh, on va réussir à s'affranchir de l'utilisation des boucles en utilisant euh, des fonctions récursives. Okay. Ça, c'est une première chose. Et puis, euh, pour s'affranchir du if else, alors effectivement, on va avoir euh, une, structure, une, une structure de programmation qui s'appelle le case, qu'on va voir un peu plus tard. Mais dans un premier temps, on va remplacer l'utilisation. Ah. On va remplacer l'utilisation de, euh, des ifs and else par l'opérateur ternaire. Vous vous souvenez, l'opérateur euh, avec le point d'exclamation et euh, le euh, deux points. Quoi. Donc, essayons de regarder ça. Donc, je vais réaliser. Euh, là, dans un premier temps, on va commencer. À... Donc, on s'est dit, pas de boucle, pas de ifs and else. Euh, et deux autres choses c'est que le corps des fonctions. Déjà, on ne fait pas d'assignation dedans, il n'y a pas de notion de variable dans un premier temps. Et puis, euh, une fonction ne va se résumer qu'à une seule chose, à une seule instruction. Une fonction ne fait qu'un seul truc, elle ne fait que renvoyer une valeur. D'accord Donc, imaginons que je veuille calculer la somme, une fonction qui calcule la somme des entiers de 0 à n. Alors, lorsque j'ai ce genre de choses, si je veux le faire en JavaScript mais avec un style fonctionnel pour calculer la somme des entiers de 0 à n, bah, qu'est-ce que je fais Alors, on s'est dit une seule, une, seule, euh, une seule instruction, return, et là-dedans, on n'a pas le droit d'utiliser ni de boucle ni de else. Donc, bah, si n inférieur ou égal à 0, je renvoie 0. Sinon, je renvoie n plus somme de n moins 1. Ok donc là, on a une première fonction somme. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais... Alors, attendez... Est-ce c'est possible de faire ça Oui. Hop Je sais très bien que la majorité d'entre vous sait forcément utiliser Node.js, etc., mais... Là, je vais utiliser directement l'interpréteur de, de, Javascript d'un navigateur. Comme ça, on a tout le monde qui peut, qui peut suivre et le faire si vous n'avez pas forcément de Node.js. Donc là, j'ai défini ma fonction somme. Et si je fais somme 10, bah, je récupère bien 55. Si je fais tous les nombres de 1 à 3, bah, 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Je retiens bien 6. Je rajoute 4, ça fait 10 etc. Et Donc là, peut-être que je dois mettre plus gros. Donc là, j'ai réussi à avoir euh, quelque chose d'intéressant là-dessus. Donc voilà à peu près une fonction euh, une fonction somme écrite euh, en JavaScript, mais avec ces petites contraintes impératives qu'on qu qu peut mettre. Un autre truc qu'on peut essayer, alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais utiliser plutôt cette syntaxe-là, la syntaxe euh, ES, ES6. D'accord comme ça, on va vraiment avoir un style d'écriture qui ressemble vraiment à du fonctionnel. OK Donc, somme, c'est quoi Pardon. Somme, c'est quoi C'est une fonction. Donc, ça, vous voyez, c'est euh, une écriture euh, ES6. Donc, c'est pour écrire une, une fonction lambda. Donc, c'est une fonction qui prend un paramètre n et qui renvoie... Bah, si n est inférieur ou égal à 0, qui renvoie 0. Sinon, qui renvoie euh, n plus somme de n 1. Donc, on va recopier ça, là ça il me dit que ça existe déjà on relance somme de 100 est ce que ça fait 5050 ça fait 5050 donc on est plutôt bon donc là on a un premier truc une deuxième enfin donc là on a quatre règles je vais les mettre ici euh, pas de boucle boucle pas de if then else mais à la place on a l'opérateur ternaire ok euh, fonction avec un seul return et pas de variable. Pour l'instant, on a ces contraintes-là qu'on qu met en place. Parce qu'en programmation fonctionnelle, justement, on n'a pas ce genre de choses, mais c'est pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on s'organise, comment on, on, on déroule un peu euh, des algorithmes derrière. Un autre truc aussi, les fonctions prennent, donc les fonctions, elles prennent au max un argument. Donc une fonction, en fait, ça prend soit 0, soit un argument. Donc imaginons une fonction euh, standard euh, qui s'appelle add, ok, qui prend a et b, et qui renvoie à a plus b, ok. Donc add 10, 23, ça nous fait bien 33. Et bien en fait, comment est-ce qu'on fait pour euh, dire, bah ben en fait, non, ma fonction, elle ne prend jamais plus de un argument. Ben en fait, c'est très simple, on va transformer ce truc-là en... En fait, une fonction add, c'est quoi C'est une fonction qui prend paramètre un a et qui renvoie. Une fonction qui prend en paramètre un b et qui renvoie à a plus b. Ok Donc là, je vais rafraîchir. Donc si je fais add de 10, 23, je récupère bien 33. L'intérêt qu'on a derrière ces choses-là, c'est qu'on peut manipuler en fait des fonctions comme des euh, valeurs directement. C'est-à-dire que très facilement, je peux construire la fonction. Vous vous souvenez de ma fonction add -ten, là en, en C tout à l'heure bah, addTen », c'est quoi C'est la fonction add. C'est-à-dire qu'à la fonction add, vous voyez que la fonction add, elle prend un paramètre et elle renvoie une fonction qui prend un paramètre. Et qui renvoie le résultat de la somme des deux premiers paramètres donnés en. en... Passé, passé précédemment. Donc vous voyez qu'à partir de la fonction add, bah, je peux construire une autre fonction. Athènes, bah, si je lui ajoute 23, je récupère bien 33. Athènes, si je lui rajoute 100, je récupère bien 110. Okay Donc très facilement, en fait, avec des fonctions, on peut récupérer. Euh, d'autres fonctions pareil je vais faire une fonction mule ok donc la fonction mule qu'est ce qu'elle fait elle, euh, multiplie, euh, elle multiplie euh, elle multiplie elle multiplie à et b donc là je vais je vais faire at, at 100 et mule 4 c'est la fonction qui prend un paramètre et qui le multiplie par 4 alors je copie colle ces choses là ici Okay. et si je fais mule 4 2 3, je récupère bien 12. Okay. si je fais mule 2 4 parenthèse 3, je récupère bien aussi 12. Vous Voyez que en fait les fonctions, le fait qu'elles ne prennent jamais plus de un paramètre, ça est très intéressant, c'est parce que des fonctions qui entre guillemets en prennent plusieurs vont pouvoir, euh, on va pouvoir très facilement euh, fixer certains de leurs paramètres pour générer d'autres fonctions. Qui dépendent de paramètres qui viendront un peu plus tard dans l'algorithme. Merci, Lébeth, pour ton follow. Donc, à partir de là, on a des choses aussi qui peuvent être intéressantes. Par exemple, un opérateur qui est très intéressant en mathématiques, c'est l'opérateur de composition. L'opérateur de composition, qu'est-ce qu'il fait Il prend une fonction g il prend une fonction f. Et il renvoie une fonction qui prend un x et qui applique g de f de x. Par exemple, alors on va prendre cette fonction de composition. Okay. Par exemple, si je veux faire la fonction qui euh, d'abord multiplie par 4 et ajoute 10, euh, mul for, then add, enfin qui ajoute 100, quoi. Et bien en fait, cette fonction, je peux la fabriquer très facilement en fait. Je fais un compose de add100 avec mul4. Regardez ce que va faire cette fonction. Hop, compose il est déjà défini. Là si je fais mul4, si je fais ça, je vais récupérer 112, c'est-à-dire que ça va prendre le 3, ça va le multiplier par 4 et ça va lui ajouter 100. Alors j'ai, ça ça n'est pas passé. Donc, euh, un opérateur de composition, il peut être très intéressant parce que justement, il va nous permettre, à partir de petites fonctions, à partir de petites briques élémentaires, de fabriquer des fonctions de plus en plus, euh, de plus, en plus évoluées en combinant leurs fonctionnalités. Donc, vous voyez qu'on euh, arrive à l'aide des fonctions de fabri à fabriquer d'autres fonctions. Donc, en fait, tout l'intérêt de la programmation fonctionnelle, c'est justement de partir de petites fonctions. Et de les combiner les unes avec les autres pour fabriquer un algorithme de plus en plus puissant en fait. Donc euh, voilà un peu ce qu'on ce qu'on est amené à faire en fait, c'est que vraiment le, la fonction en elle-même devient euh, une une, euh, pas une variable, devient une, une structure sur laquelle on opère pour monter en, euh, en utilisation quoi, en utilisabilité. Donc Quelque chose d'autre euh, que l'on va s'interdire de faire en programmation fonctionnelle, c'est qu'on n'a pas de notion d'espace mémoire. Il n'y a pas de notion de j'ai une variable, je peux en modifier sa valeur, etc. Donc là, vous voyez que depuis tout à l'heure, bah en fait, euh, j'utilise pas des, des variables, il n'y a pas des choses qui changent de valeur. Il n'y a pas de zone en mémoire qui varie avec le nom variable. Là, effectivement, j'utilise un paramètre, mais vous voyez que mon n ne varie pas, en fait, ici. C'est juste une constante qui se balade et qui, qui me permet de faire des calculs, mais ce n'est pas une variable au sens strict du terme. Elle ne change pas d'état. Donc, qui dit je ne change pas d'état, dit bah je ne peux pas utiliser de tableau. Parce que finalement, un tableau, c'est ni plus ni moins qu'une suite euh, de cellules collées les unes à la suite des autres dans laquelle on va pouvoir lire et écrire. Typiquement, quand j'ai un tableau, bah, le premier truc que j'ai envie de faire, c'est de faire euh, tableau crochet i et lui assigner une valeur. Ça, on n'a pas le droit de le faire en programmation fonctionnelle. Donc, à partir du moment où on ne peut pas assigner des valeurs, bah, l'intérêt de l'utilisation des tableaux disparaît. Donc, pour pouvoir utiliser des choses qui. Euh, qui euh, comment dire qui, euh, pour, euh, comme On ne peut pas utiliser des tableaux, mais à côté de ça, on sait tous qu'on a besoin d'algo qui ont besoin de manipuler euh, des choses plus grandes que juste une donnée. On a besoin de manipuler parfois n données on a besoin de manipuler un ensemble de données. Donc, pour ce faire, on ne va pas utiliser des tableaux, mais on va utiliser notre structure préférée à tous, la liste chaînée. Et la liste chaînée, bah, là, pas d'utilisation de tableau. Utilisation de tableau. Du coup, on va utiliser des listes chaînées. Donc, comment est-ce qu'on va faire Déjà, pour fabriquer une liste chaînée, en fait... Vous voyez que pour fabriquer une liste sélectionnée, on a besoin uniquement d'une euh, information. Déjà, on a besoin d'une information on a besoin de différencier la liste vide de la liste qui n'est pas vide. Donc là, ici, je vais utiliser le, le, la constante nulle du langage JavaScript pour dire, euh, pour dire que la liste vide, c'est euh, la valeur nulle. Okay Donc je vais, je vais faire une fonction okay, qui prend une liste en paramètres et qui me dit si elle est vide. Et eh bien, si elle est vide, c'est que liste est égale à nul. Okay Donc là, c'est juste une fonction qui me permet de, de, de vérifier que la liste est vide ou pas. Donc ça, c'est un postulat. C'est euh, J'utilise cette constante pour dire à quoi ressemble une liste qui est vide, et je vais utiliser trois autres fonctions qui vont me permettre de fabriquer le fonctionnement d'une liste chaînée. En fait, vous le savez peut-être pas, mais une liste chaînée, pour qu'elle existe, elle a besoin de trois opérateurs qui soient cohérents. Les, les, les uns avec les autres. Elle a besoin d'un opérateur de construction de liste. L'opérateur de construction de liste, elle prend deux paramètres, une valeur x et une valeur xs, ok Ce qui va symboliser euh, la, le, la liste et ce qu'on va lui rajouter en tête, ok Et ça va renvoyer. Donc là, moi, je vais utiliser un, je vais utiliser un objet euh, JavaScript ici. Donc la liste chaînée, en fait, c'est la combinaison, enfin, l'opérateur de construction, c'est quelque chose qui va prendre l'argument qu'on souhaite mettre en tête d'une liste. Donc l'argument qu'on souhaite de mettre en tête, c'est x, et la liste qui est précédemment existante, c'est xs. Et à côté de ça, j'ai besoin d'avoir deux autres fonctions. J'ai besoin d'avoir la fonction add qui prend une liste en paramètre et qui me renvoie sa tête. Donc la liste en paramètre. Pour envoyer son élément de tête, c'est liste.x ici, et const tail, c'est la fonction qui prend une liste en paramètres et qui renvoie sa queue. Donc, à partir du moment où. Alors attendez, là j'ai un nul qui a disparu. À partir du moment où je sais à quoi ressemble une liste vide, donc la liste vide c'est la constante nulle, et à partir du moment où j'ai fabriqué. Euh, ce trio de fonctions cohérents les unes avec les autres qui permet de récupérer la tête ou la queue d'une liste et la liste j'arrive à la fabriquer avec un élément que je vais placer en tête d'une liste existante eh ben je vais pouvoir faire des opérations sur des listes donc typiquement donc là ça y j'ai une liste euh, j'ai une structure de liste que je peux manipuler avec des fonctions qui sont euh, qui respectent un peu les les, 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 euh, les, euh, les, euh, les contraintes qu'on s'était mis euh, précédemment et je vais, réussir à fabriquer, euh, je vais réussir à fabriquer une liste. Donc par exemple, hop, je balance tout ça, et pour fabriquer la liste 1, 2, 3, bah, en fait, pour fabriquer la liste 1, 2, 3, je vais construire une liste en passant un 1 en paramètre, puis la construction de 1, 2 en paramètre, puis la construction de donc cette liste nulle, je lui ajoute un 3 en tête, et je lui ajoute un 2 en tête, et puis je lui, je lui ajoute un 1 en tête. Donc, voyons ce que ça donne. Hop. Euh, je me suis trompé, j'ai mis un T ici. OK. Donc, si je regarde XS. Et eh bien vous voyez que euh, j'ai ma structure ici qui, euh, qui se met un peu en JavaScript. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais euh, fabriquer euh, deux fonctions utilitaires en JavaScript pour pa facilement passer euh, d'un tableau JavaScript vers ma, ma liste chaînée, de ma liste chaînée vers un tableau JavaScript pour qu'on puisse faire les algos euh, un peu plus simplement tout à l'heure. Parce qu'en fait vous verrez que quand XS grandit et devient assez grand, là ça va finir par devenir illisible. Donc je vais faire une fonction qui s'appelle liste ou arrêt. Donc c'est une fonction qui va prendre... Donc là on est vraiment en mode je fais du javascript, hein. c'est juste de la glu euh, qui va permettre de, de, de continuer à faire des, des fonctions euh, de, de la programmation fonctionnelle facilement, mais en passant du monde JavaScript au monde, euh, au monde fonctionnel. Donc pour fabriquer ce truc-là, je vais itérer sur... Tant que ma liste que ma liste est pas vide alors qu'est ce que je vais faire résulte je vais lui push euh, le la tête de xs et xs va devenir la queue de xs et là je return résulte alors est-ce que ça ça va marcher si je fais liste ou arrêt de xs ok je récupère bien ma liste 1 2 3 ok on est bon et je vais faire l'autre fonction. Donc là, c'est juste deux petites fonctions utilitaires. arrêt to list. Donc ça, ça prend un tableau JavaScript et ça va euh, le, comment dire, ça va lui, euh, ça va refabriquer une liste avec derrière. Donc si ma liste elle est nulle, je return la liste nulle, ok Et sinon... Euh, sinon, 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 sinon... Qu'est-ce que je vais faire Je vais return... Alors... Const x est égal à... Donc, j'enlève de, de mon tableau le premier élément. Et je return le const de x et de... Arrêt to list de... Arrêt. Ok donc vous voyez, si ma liste elle est vide, je renvoie nul. Parce que dans bon. Si mon tableau est, est vide, pardon, je renvoie nul, la, chaîne de la liste chaînée est vide. Et si mon tableau n'est pas vide, du coup, j'enlève de ce tableau le premier élément et je fais appel à l'opérateur cons qui va prendre en premier paramètre le premier élément. Et en deuxième paramètre, le résultat de la transformation d'un arrêt en liste du restant de mon tableau. Ok donc là, j'ai mes fonctions arrêt-to-list. Je vais essayer arrêt-to-list de euh, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, soyons fous. Et vous voyez en fait pourquoi est-ce que euh, j'ai décidé de faire l'autre fonction Vous voyez que euh, là, à, à, à visualiser, là, c'est un peu le bordel. Donc c'est la raison pour laquelle euh, bah, c'est plus simple d'avoir euh, les fonctions utilitaires, quoi. Si je fais un, un ou arrêt de arrêt to list. 1, 2. Ok. Vous voyez, j'aimais bien mes deux fonctions qui se construisent les unes avec les autres. Là, c'est juste deux, deux petits outils utilitaires qui, qui, vont, qui vont nous servir. Quoi. Donc, à partir de là, essayons de voir euh, comment est-ce qu'on peut faire des opérations sur des listes, euh, de faire des, des petits algorithmes assez intéressants sur, des, sur ces listes-là. Donc, typiquement. Moi ce que je voudrais c'est fabriquer une, une fonction qui s'appelle range. Et qu'est-ce qui prend cette fonction Elle prend un minimum, un maximum, et elle va me fabriquer euh, la liste qui va prendre tous les nombres compris entre ce minimum et ce maximum. Par exemple, range de 1 à 10, bah, j'ai envie de fabriquer la liste euh, de tous les nombres de 1 à 10. Donc, toujours en utilisant cette logique d'opérateur ternaire, si bah, mine est supérieur à max. Bah, je renvoie la liste nulle. Sinon, qu'est-ce que je renvoie Je renvoie la construction de mine et de euh, range de mine plus 1 avec max. Alors attendez, je vais peut-être mettre un peu plus petit parce que sinon on va finir par rien voir. Euh, je vais faire un truc comme ça. Peut-être pour que ce soit un peu plus lisible. Hop Donc, ma fonction range, qu'est-ce qu'elle prend Elle prend deux paramètres. Et si le premier est supérieur au deuxième, bah, du coup, on renvoie la liste vide. Sinon, bah, je renvoie le résultat de la construction du premier paramètre agrégé au range de min plus 1 max. Donc là, si je fais range de 1, 10. Ça va, ça me construit quelque chose, mais euh, on s'était dit qu'on n'arrivait pas à lire. Donc, je vais utiliser mon liste Touareg. Donc, vous voyez, que, euh, vous voyez que finalement, en fait, j'ai euh, réussi à, à fabriquer euh, ma liste de 10 nombres. Alors là, c'est vraiment le bordel. Là Je suis désolé, ça clignote de ouf. Là Je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est la clé USB qui ne marche pas. OK. Est-ce que j'ai mon stream qui a sauté ah, C'est vraiment euh, la super misère cette histoire. -là. Je pense en fait avoir détecté le pourquoi ça, ça sautait depuis tout à l'heure. C'est je pense que j'ai une clé USB qui me sert à récupérer mon flux vidéo. Et en fait, je pense que la clé USB était mal. Voilà, je pense que ça va plus sauter. Ok, donc là, j'ai fabriqué euh, une fonction qui me permet de. Euh, de, de, de... De générer automatiquement, enfin euh, en tout cas facilement, une liste de, de nombres compris entre un minimum et un maximum. Ce qu'on qu a envie de faire avec des listes, on a souvent envie de manipuler euh, cette liste en, euh, en appliquant par exemple une fonction sur chacun des membres de cette liste-là. Donc typiquement, euh, si j'essaye de fabriquer euh, une fonction, donc un, un opérateur qu'on utilise couramment dans les listes, c'est l'opérateur map. L'opérateur map, qu'est-ce qu'il fait Il prend une fonction, il prend des listes chaînées, enfin une liste chaînée, et il va renvoyer une nouvelle, euh, il va renvoyer une nouvelle liste qui va contenir euh, l'ensemble des éléments sur lesquels on a appliqué la fonction f. Typiquement, j'ai une liste et je veux multiplier tous les éléments par 10. Eh bien, je vais utiliser une fonction map. Donc, pour pouvoir le réaliser, toujours en utilisant un peu cette logique de programmation fonctionnelle, ben là, je regarde est-ce que ma liste est nulle, déjà. Donc, est-ce que xs est nulle bah, si c'est nul, bah, je renvoie xs. Si c'est pas nul, bah, je vais renvoyer le résultat de la construction de f de la tête de xs suivi de je réappelle map de f avec le tail de euh, xs. Alors attendez, je vais indenter un petit peu ça. <coughs> L'idée là c'est qu'on puisse voir comment est-ce qu'on programme un peu en fonctionnel lorsque on a affaire à un langage impératif avec un langage que vous connaissez déjà. Quoi. Donc là, pour vous donner un peu des débits, bah, la fonction map, je vais appeler l'opérateur f sur l'ensemble des éléments de la liste. Donc soit la liste elle est vide, bah, je renvoie la liste en elle-même puisqu'elle est vide, soit la liste elle n'est pas vide, alors je vais refabriquer une liste. En refabriquant une liste, qu'est-ce que je vais faire C'est que je vais prendre la tête de cette liste-là et je vais lui appliquer la fonction f. Et récursivement, je vais lui ajouter en fin de queue l'appel récursif à map, toujours en appelant f en deuxième paramètre, mais cette fois-ci en appelant la queue de la liste pour appliquer la fonctionnalité sur le reste de la liste. Hop. Donc maintenant, si je fais, vous vous souvenez de notre, de notre range 1 à 10, bah notre range 1 à 10, maintenant, ce que je vais lui faire, c'est que je vais lui faire un map. Et je vais multiplier tous les nombres par par euh, 10 par exemple. Si je multiplie tous les nombres. Donc là, je lui passe comme fonction la fonction qui prend un x et qui renvoie x fois 10. Alors. Euh, map de... J'ai peut-être une erreur quelque part. Si vous l'avez spot dans le dans le chat. Non. Euh, FED is not a function. FED, voilà. Euh, si, f. F, c'est une fonction si. Alors attendez. Alors, attendez, attendez, je regarde. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Non, map. Ça me paraît pas mal. Alors, attendez deux petites secondes. Je vais coller ça ici. Je vais recopier tout ça. Alors, juste pour savoir, est-ce que ça, ça va marcher déjà Range de 1 à 2. 1, non. 1, 0. Ça m'envoie bien nul. Je ne comprends pas où est-ce que j'ai une erreur map de. Si ma liste est vide. Attendez, je vais le réécrire. Donc, cons, ça, ça prend deux paramètres. Le premier, c'est la tête. Donc la tête, c'est f de head de xs. Et le deuxième paramètre, c'est map de f de tail de xs. Pourquoi oh, ça marche pas comme ça? Ok, bah, je ne sais pas ce qui n'a pas fonctionné, je sais pas ce que, ce que j'ai retiré tout à l'heure. <coughs> Donc, désolé, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas la lambda. Je, non mais il y, y avait peut-être il y avait peut-être une parenthèse en moins ici, il y avait quelque chose qui merdouillait, je pense, euh, par ici quoi. Donc, je vais essayer de parler un peu moins fort parce qu'il y a une autre activité qui se déroule en parallèle ici. Donc, dites-moi si vous m'entendez toujours. J'espère que vous m'entendrez toujours. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est que là, toujours dans cette idée de voir un peu comment est-ce qu'on programme en, en programmation fonctionnelle en utilisant un langage impératif, Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, utiliser une fonction... Euh, euh, alors, attendez. Je vais vouloir réaliser... Euh, je sais pas si vous connaissez un peu un exercice, le Fizzbuzz, Buzz. On m'entend bien. Bon ben bah merci Jordan. Euh, ce que je vais réaliser, c'est un exercice qui s'appelle... Oh, on, va, on va être en mode euh, programmation fonctionnelle ASMR quoi. Alors <laughs> Ah, je me rapproche un petit peu du micro. Donc, en fait, euh, ce que je voudrais, c'est. Euh, je ne sais pas si vous connaissez un peu le, le jeu du FizzBuzz. L'idée, c'est de, de remplacer tous les nombres qui sont des multiples de 3 par Fizz, tous les nombres qui sont multiples de 5 par Buzz, et tous les nombres qui sont multiples de 3 et de 5 par FizzBuzz, et les autres, on les laisse tels quels. Donc, par exemple, on pourrait utiliser la fonction R, en fait, pour faire cette fonctionnalité-là rapidement. Merci, Primarter, Primarter, pour ton follow. Donc. Donc ma fonction fizzbuzz, qu'est-ce qu'elle fait Ma fonction fizzbuzz, qu'est-ce qu'elle fait Elle prend un paramètre, un nombre, ok, n. Et si n, n modulo 15, si c'est un, si un si c un multiple de 3 et de 5, bah, je renvoie fizzbuzz. Alors, si n modulo 15 égale 0, vous voyez, je commence à écrire n'importe quoi, je renvoie FizzBuzz, sinon, si n modulo 5 égale 0, bah, je renvoie... Alors, modulo 3, pardon, je vais renvoyer Fizz. Et sinon, si n modulo 5 égale 0, bah, je renvoie Buzz. Sinon, bah, je renvoie le nombre en lui-même, sous une forme de chaîne de caractère. Euh, donc c'est n. Essayons d'indenter un petit peu tout, toute cette affaire. Ah bah on a fait furlub. <laughs> Hop. Bon bah l'ASMR est déjà terminé quoi. J indente un petit peu la histoire que ce soit un peu plus lisible ok donc ma fonction FizzBuzz, base si je la remplace comme ça hop bah maintenant je vais faire hein, l'histoire et map de ce truc là on va le faire jusqu'à 100 vous voyez que là j'ai récupéré euh, 1, 2, fils, 4, buzz, fils, 7, 8, fils, buzz, 11, fils, 13, 14, fils, buzz. Donc, euh, donc vous voyez là, on a quelque chose qui est assez euh, qui qui, qui est assez intéressant parce qu'en fait, ça me permet de découpler en fait euh, l'opérateur map. Ça me permet de, de générifier, en fait quelque chose. C'est-à-dire que je peux facilement appliquer une fonction à une liste d'éléments. Quelque chose qui se fait assez 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 souvent aussi, c'est que à partir d'une euh, d'une euh, liste d'éléments, euh, on a envie de fabriquer euh, une, euh, un résultat final. Typiquement, tout à l'heure, vous vous souvenez, là, je voulais faire toute la somme des entiers de 0 à n. Donc en fait, ce que je pourrais faire, c'est d'avoir une fonction euh, qui me permet de, ré de, de réduire en fait, cette information. C'est que j'ai une grande liste à ma disposition et je vais réduire cette information par exemple lorsque on veut euh, imaginons lorsque je fais un peu euh, un truc un peu euh, un peu euh, impératif. Donc là, j'ai ma somme. Imaginons que j'ai une liste d'entiers, OK Donc euh, let res égale 0. Lorsque je vais sommer tous les entiers qui sont présents dans cette liste-là, qu'est-ce que je vais faire en fait de façon de faction, euh, de façon standard Alors attendez. for let i égale 0 i inférieur à... Voilà. Euh, hop. Vous voyez que lorsque, euh, lorsque j'ai... Euh, Lorsque j'essaye de faire des opérations sur des, des, des ensembles de données de façon impérative, là, donc là c'est une écriture impérative, j'ai une boucle, j'ai des variables, etc., en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que souvent, j'ai un résultat qui va me servir d'accumulateur, et puis souvent, j'ai un fort qui ne dépend pas du tout de l'algo. Ça, ce fort, on va le retrouver dans, dans plein de fonctions. Ça me sert juste à avancer dans la bah, liste, et puis, je vais avoir une, quelque chose qui va me prendre mon accumulateur et qui va lui appliquer une fonction, donc typiquement là c'est une opération, qui va prendre l'accumulateur et puis l'élément courant de la liste, on va fabriquer quelque chose à l'aide de l'accumulateur et de l'élément de la liste pour refabriquer un nouvel accumulateur, et ça je vais parcourir n fois cette liste, et je vais réussir à euh, fabriquer le résultat final. Ce truc là en fait c'est une fonction qui s'appelle folder ou reduce. Là, en JavaScript, elle s'appelle Reduce. Dans Nascale, elle s'appelle plutôt Folder. En fait, qu'est-ce qu'elle prend, cette fonction Donc, moi, je vais l'appeler Reduce parce qu'on est en JavaScript. Elle prend en fait une fonction. Donc, cette fonction f, la fonction f, elle prend un accumulateur, un élément de la liste, et elle va refabriquer un accumulateur. C'est-à-dire qu'elle va prendre cet accumulateur, l'élément sur lequel on est, et on va refabriquer le nouvel accumulateur. Elle me prend l'élément. La valeur par défaut. Okay. Là, typiquement, on a le 0. C'est la valeur par défaut avec laquelle on va initier les, les, ici, initialiser la liste. Pardon. Et la liste en elle-même. Okay. Et qu'est-ce qui va se passer bah, En fait, soit la liste elle est vide. Alors à ce moment-là, on renvoie. Si la liste elle est vide, on renvoie la valeur par défaut. Ou alors, si la liste n'est pas vide, qu'est-ce qu'on fait eh bien, on va réappeler récursivement reduce, toujours en utilisant n, cette fois-ci en utilisant comme nouvel accumulateur bah, le résultat de la fonction f qu'on a appelé sur le précédent accumulateur, en lui passant l'élément sur lequel on est dans la liste. Okay. Et le troisième paramètre, c'est le restant de la liste. Donc, regardons un peu ce que ça donne cette histoire. Si je fais ça, si je fais un reduce, si je fais un reduce de, alors ma fonction, c'est une fonction qui prend un A, qui prend un B, bah ma fonction add, vous vous souvenez, ma fonction add, elle prend un paramètre, puis un autre paramètre, et puis elle l'additionne. Si je prends une fonction qui prend un add, qui prend comme élément par défaut un 0, et qui prend en liste tous les nombres compris entre 1 et 10, Alors, ma fonction c'est que je ne l'ai pas réimportée. Vous voyez que j'ai réussi à refabriquer la somme de tous les éléments allant de 1 à 10. Comment est-ce que j'ai réussi à faire C'est que j'ai pris cette liste de tous les nombres de 1 à 10. Cette liste de, des nombres de 1 à 10, je les ai réduits. Comment est-ce que je les ai réduits Je pars de l'élément 0 et puis je vais piocher dans les éléments de la liste les uns à la suite des autres. Le premier élément, je vais l'ajouter à cet élément euh, par défaut. Donc le 0 va devenir 1. Puis après, je vais lui ajouter 2, il va devenir 3. Puis après, je vais lui ajouter 3, il va devenir 6. Puis après, je vais lui ajouter 4, il va devenir 10, etc. etc. Donc en fait, ce qu communément, ce qu'on qu a besoin de faire avec des listes, on a parfois besoin de leur appliquer des fonctions de type map. Mais on a aussi parfois besoin de leur appliquer des fonctions de type reduce par Exemple, je vais appliquer une fonction de type reduce à fizzbuzz. Donc là, vous vous souvenez, là, notre fizzbuzz de tout à l'heure. Ok, donc j'ai tous mes fizz et tous mes buzz, etc. Moi, ce que je voudrais, c'est fabriquer la chaîne de caractères. Euh, je voudrais tous les, les avoir d'un coup. Là, vous voyez, là, ici, je peux pas tous les afficher. Moi, ce que je voudrais, les euh, ce que je voudrais avoir, c'est tous ces trucs là, mais afficher les, les uns à la suite des autres. Donc, ce que je vais faire, c'est que bah, de cette liste là, je vais faire un reduce. Donc, l'élément par défaut, c'est la chaîne de caractères vide. Et puis, euh, la fonction que je vais avoir, c'est A, B. Et en fait, j'ai envie de fabriquer. Ce que j'ai envie de fabriquer, c'est A. A. Avec mon opérateur euh, un backslash-N. Et avec mon B. Si. Pourquoi est-ce que mon truc. Okay. Vous voyez que là, ça m'a fabriqué la chaîne de caractères dans laquelle j'ai tous mes... Euh, j'ai pris l'ensemble des éléments et je leur ai mis de la glu en fait. Je leur ai mis l'opérateur backslash chaîne entre les différents, euh, les différents éléments de cette liste. Bon, ça peut être quelque chose qu'on pourrait être amené à faire. Quelque chose qu'on est amené à faire aussi en utilisant des listes, c'est de faire souvent des filtres. Par exemple, je voudrais avoir uniquement la liste des nombres qui sont soit pairs soit impairs dans cette liste-là. Donc en fait, pour avoir une liste filtrée, bah, en fait, une liste filtrée, qu pour avoir un filtre, de quoi on a besoin On a souvent besoin bah, de la fonction qui me permet de filtrer, puis de la liste en elle-même que j'essaye de filtrer. Et là, vous voyez que la syntaxe est toujours la même chose. Je pars de ma liste, est-ce qu'elle est nulle Ok. Si elle est nulle, bah, je la renvoie. Si elle n'est pas nulle, bah là, je vais faire un opérateur ternaire. Et mon opérateur ternaire, il me dit bah, si f de f de x, alors attendez. Parce que là, je me suis embrouillé sur les parenthèses. F de, f de x. Donc, si ça c'est trou, qu'est-ce qui se passe Si c'est trou, et eh ben, je vais vouloir rajouter cet élément là à la liste. Donc, je vais rajouter cet élément. Donc, je vais construire. Vous vous souvenez de l'opérateur de construction Ça prend deux éléments. Donc là, c'est la tête de liste. Et puis là, je vais vouloir filtrer la queue de liste. Donc, filter de, hop, de tail de XS. En revanche, si je n'ai pas... Euh, si ce truc est faux, bah du coup, ce que je voudrais, bah, c'est juste filtrer la, la queue de la liste, ici. On va mettre ce truc-là, ici. On va définir la fonction even. La fonction even, c'est une fonction qui prend un paramètre n, et qui me dit si n, il est... Euh, Est-ce qu'il est pair OK. Et puis, ma fonction odd... Et là pour me dire, est-ce que mon n, il est impair Ok. Je vais reprendre mon truc là. Et là, je vais faire un filter. Donc j'ai tous mes nombres de 1 à 10. Je veux garder que ceux qui sont pairs. Ok, j'ai réussi à voir que ceux qui sont pairs. En revanche, j'ai réussi à regarder tous ceux qui sont impairs. Donc là, je réussis à récupérer tous ceux qui sont à impairs. Et puis je vais terminer avec deux, deux autres fonctions. Et puis là, on va passer, euh, on va conclure avec, bah, finalement, en fait, euh, là, l'idée, c'est que vous commenciez à voir un peu comment est-ce qu'on commence à programmer en, en fonctionnel, mais en utilisant un langage que vous connaissez déjà. Et je vais, euh, je vais faire encore deux fonctions pour montrer un peu la puissance de la programmation fonctionnelle avant que vous commenciez, à, avant qu'on commence à regarder un peu plus en détail, et on conclura sur ça, comment ça s'écrit finalement en ASCAL. Parce que pourquoi j'ai voulu faire cette introduction là, c'est que lorsque vous êtes amené à lire de l'ascal dans un premier temps, on est souvent dérouté parce que la syntaxe elle est un, un peu bizarre. Euh, mais euh, j'ai essayé de, de clarifier cette syntaxe pour vous montrer en fait comment est-ce que euh, on peut l'aborder en utilisant un langage qu'on connaît déjà. Donc l'opérateur concat. Qu'est-ce que je vais vouloir faire à concat C'est que j'ai une liste chaînée xs et une liste chaînée ys et je veux concaténer en fait. C'est je veux prendre le résultat de la première liste et de la deuxième et de les accrocher les unes avec les autres. Donc en fait, comment est-ce que je vais faire Toujours pareil, je vais utiliser une fonction récursive. Donc soit ma première liste, elle est empty. Alors à ce moment-là, si ma première liste elle est empty, bah je renvoie juste la deuxième liste parce que le résultat de la concaténation d'une liste vide et d'une liste YS, bah c'est la liste YS. Soit ma liste, elle n'est pas vide, alors à ce moment-là, je vais fabriquer une liste. Et pour fabriquer la liste, bah je vais juste prendre l'élément tête de XS. Et cet élément en tête de XS, je vais l'ajouter en tête d'une autre liste du résultat de la concaténation de la queue de XS avec YS. Hop donc là j'ai mon concat, non ça marche pas. Euh... Là c'est un égal ici. Ok. Donc si je regarde mon truc. Donc là, je vais faire un concat. Donc de tous les nombres de 1 à 100. Après, il faut se retrouver avec les. Et tous les nombres de 50 à 60. Ok. Bon. Vous voyez que j'ai tous les nombres de 1 à 10, suivi de tous les nombres de 50 à 60. Donc j'ai bien réussi à concaténer la première et la deuxième liste. Pourquoi est-ce que j'avais besoin de cet opérateur C'est pour fabriquer une fonction qui... Et euh, quelque chose qui est souvent assez difficile à réaliser lorsque... Euh, oui, la piscine, elle est en Ascal en fait graphique, euh, mais là l'idée c'est qu'on regarde un peu ce que, ce que ça donne en fait lorsqu'on programme en, en fonctionnel, euh, en fonctionnel like du JavaScript. Donc je vais conclure sur cette partie là qu'on qu regarde depuis tout à l'heure avec une fonction sorte Souvent une fonction, pour trier une liste chaînée, c'est souvent quelque, une, une opération qui peut être un petit peu... Euh, un petit peu euh, rébarbative à réaliser de façon impérative. Euh, vous avez tous fait du bubble sort, euh, vous avez tous essayé de faire des algos de tri en langage euh, impératif. C'est euh, souvent un petit peu compliqué à mettre en place. Et là, ce que je vais bah, vous montrer, c'est de montrer que finalement, lorsqu'on a affaire à une syntaxe un petit peu fonctionnelle, bah, tout, devient, euh, tout devient plus simple lorsqu'on est habitué un peu à ce, ce truc-là. Donc, ma fonction. Sorte, elle prend une liste en paramètres. Okay cette liste, toujours pareil. Est-ce qu'elle est vide? Si elle est vide, alors à ce moment-là, je renvoie XS. Si elle n'est pas vide, alors là, je vais renvoyer quelque chose d'autre. En fait, ce que je vais renvoyer, c'est tous les nombres. Donc cette liste XS, cette liste XS, elle a un élément de tête H et puis elle a une queue. T. D'accord Xs, c'est un Xs, ça vient du résultat de concat de H et de T. Elle a été... Xs, elle a forcément été fabriquée avec une tête et une queue, d'accord Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais concat, je vais concat. Alors concat, là, il ne prend pas trois paramètres, mais c'est juste pour la forme. Bah, ici, c'est tous les nombres de T provenant de T provenant de t, oh, attendez, je vais faire un truc sur plusieurs lignes. Donc je vais compter tous les nombres provenant de t inférieurs à h, ok? Tous les nombres provenant de t h et puis là plus h ok parce que h je vais le rajouter à ça et là ici en fait lorsque j'essaye donc là en fait ma liste, elle est forcément composée d'une tête et d'une queue. Eh bien, je suis capable très facilement de récupérer tous les nombres qui sont dans la queue, qui sont inférieurs à H, puisque j'ai un filtre. Je suis capable de le faire. Donc si tous ces nombres, je les récupère, tous les nombres qui sont présents dans la queue, qui sont inférieurs à H, si je les mets quelque part et que je trie cette liste, et à côté de ça, que je prends tous les nombres euh, qui sont égaux à H dans T plus H, et euh, bah là, pour le coup, je n'ai pas besoin de les sortir parce qu'ils sont tous égaux, et que je prends tous les nombres qui proviennent de t, qui sont supérieurs à h, je les mets dans une liste, et je les retrie, et que je concatène tout ça, ben j'ai bien réussi à trier ma liste. Donc voyez un peu comment, comment, comment je peux écrire ce truc-là. Donc souvenez, concat, qu ça prend deux paramètres. Donc le premier, c'est je vais sortir... Les nombres qui proviennent de t et qui sont inférieurs à h, donc ça c'est à, à, grâce au filter que je vais réussir à récupérer ça. Donc, filter c'est tous les x tels que x inférieur à head de xs, et ça je vais l'appliquer à tail de xs, ok. Et je sors tout ça, et là je vais refaire un concat, ok. Donc là je vais filter. Bah, tous les nombres xs tels que x est égal à Red de xs et ça je vais le faire sur tous les éléments de la liste okay. et ici je vais récupérer tous les nombres qui proviennent de la queue de xs mais qui cette fois ci sont supérieurs à xs hop je mets mon truc ici et là maintenant si je fais un liste arrêt est... De arrêt to list. non, on sorte d'arrêt to list. Donc je vais prendre liste. Et boum Vous voyez, j'ai réussi à fabriquer facilement, facilement entre guillemets, Quelque chose qui me permet de trier très facilement une liste de nombres en utilisant de la programmation fonctionnelle. Et finalement, en fait, ce qui est intéressant dans la programmation fonctionnelle, c'est que lorsque l'on lit le code, alors là, c'est en JavaScript, le langage, il se prête pas forcément à cette syntaxe-là, etc. Mais euh, l'avantage de la programmation fonctionnelle, c'est qu'elle est déclarative. C'est plutôt que d'indiquer à mon programme. Euh, quelque chose de ce type en mode, bah, j'ai une zone en mémoire que je vais initialiser à 0, j'ai une autre zone en mémoire que je vais initialiser à 0, mais que je vais incrémenter, qui va me permettre d'aller récupérer cette autre, cette autre zone en mémoire pour faire un calcul et modifier la précédente, etc. Plutôt que d'avoir affaire à un genre de truc vraiment très impératif dans lequel on va dire à un instant T comment se comportent les zones de mémoire et comment elles interagissent entre elles, eh ben on a plutôt affaire à une syntaxe qui est beaucoup plus déclarative, qui, lorsqu'on le lit de l'extérieur, euh, fait peut-être un peu plus de sens. Ben alors là, après, il faut être habitué à de l'écriture fonctionnelle. Mais lorsqu'on lit ça, ben finalement, en fait, on n'a on pas, de, de pas besoin de se poser la question de savoir si ça va marcher. Ben, ça va marcher. Pourquoi Parce que pour trier une liste... Par exemple, dans ce cas-là, pour trier une liste, ça n'est ni plus ni moins que de trier la liste des nombres plus petits que euh, la, le premier. Puis, on leur ajoute tous les nombres qui sont au, au premier. Puis on leur ajoute la liste triée de tous les noms qui sont supérieurs au premier. Et on, quand on agglutine tout ça, forcément, logiquement, on récupère une liste qui est, qui est, euh, qui est triée. Et par le jeu des appels de fonctions récursives, etc., bah, tout ça va finir par se résoudre. Et finalement, lorsqu'on appelle, lorsqu'on écrit de, de la, des fonctions, euh, fonctions enfin, lorsqu'on programme de, de manière fonctionnelle, étant donné qu'on n'a pas d'effet de bord, bah. Toutes les fonctions, elles commencent à prendre un sens. Et euh, à la lecture même de, de, de l'algorithme, on a quelque chose qui, euh, qui, qui, qui a un peu moins besoin de se débugger, en fait. Parce que on a quelque chose qui, qui marche à, assez directement à la lecture. Euh, juste pour conclure, euh, je vais vous montrer aussi un dernier truc. Et là, je vous laisse vraiment en mode brainfuck. Je vous montrer. L'algo le, 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 qui moi me, me ma brain à un moment donné pour me dire vous vous souvenez tout à l'heure je dis pour construire une liste chaînée on a besoin de deux choses la première c'est de savoir à quoi ressemble le, la liste vide et la deuxième c'est le trio de fonctions qui nous permet de fabriquer cette liste chaînée là bah, vous voyez que ce trio de fonctions là j'ai utilisé une syntaxe euh, j'ai utilisé cette syntaxe là qui peut être assez claire mais je vais en utiliser une autre qui va ne faire appel à rien d'autre que des fonctions pour pouvoir se fabriquer. Vous voyez que le trio de fonctions finalement, il peut dépendre, il peut varier d'un truc à l'autre. Donc mon trio de fonctions, je vais dire que ma fonction cons, c'est quoi C'est quelque chose qui prend euh, du coup euh, une tête, ok, et qui prend une queue. Et ça va renvoyer plutôt que de construire un objet, ça va me fabriquer une fonction. Donc ça prend une tête, ça prend une queue et ça me renvoie quelque chose qui prend en paramètre une fonction et cette fonction elle va être appliquée à ces deux membres là. OK. Et du coup, ma fonction head elle prend une liste en paramètre. Et comme ma liste en paramètre, ma liste en paramètre c'est ça. Donc quand j'ai construit une liste, je récupère ça. Et ça, en fait, ça a besoin pour pouvoir fonctionner euh, d'une fonction. En fait, liste, c'est une fonction. Et cette fonction, si je l'applique à une fonction qui va prendre en paramètre deux, deux paramètres. Le premier, c'est head. Le deuxième, il ne va pas m'intéresser. Et ça va me renvoyer head. Et... Hop. alors on a dit là je vais rafraîchir tout ça on a dit que ma liste vide c'est ça ok ça ça change pas par contre mon trio de fonctions cette fois ci je vais dire que c'est ça et essayons de fabriquer donc xs, de fabriquer ça XS. vous voyez que xs bah, il me dit bah c'est euh, c'est juste une fonction quoi si je fais type of xs dans le langage en javascript il me dit ça c'est une fonction en fait par contre je fais un euh, liste tout arrêt et bien j'ai réussi à refabriquer une liste Vous voyez que Plutôt que de me dire que mon trio de fonctions, ça va me fabriquer une, euh, un objet JavaScript sur lequel je vais pouvoir récupérer des membres, bah, je lui dis que ma fonction, Java, ma fonction liste, ça va me fabriquer une fonction JavaScript. Et cette fonction JavaScript, je vais lui appeler des choses, etc. Donc vous voyez que j'arrive à fabriquer une liste chaînée, mais cette liste chaînée, elle est basée sur euh, une fonction et pas du tout sur, sur un objet. Quoi. Donc en tout cas, ce, cette structure de liste, pour vous dire que ce trio-là, en fait, il peut être imaginé de plein de façons différentes. Et vous voyez que tout le reste continue de fonctionner. Si je commence à faire mon. Si je remets tout ça. Hop. Ah, j'ai pas ma variable range. Pardon. Je vais rafraîchir. J'ai pas mon empty. Parce que je l'ai pas pris. Il est ici. Pardon. rafraîchis tout ça et vous voyez que si je sorte euh, alors attendez c'est liste tout arrêt sorte de arrêt tout liste 2 3 1 Donc, je récupère bien une liste qui est chaînée, alors que finalement je ne suis pas du tout en train de manipuler des listes, je suis juste en train de manipuler des fonctions pendant tout le cours de l'algo. Donc c'est pour vous dire que finalement fabriquer une liste, ça dépend du trio qu'on qu peut utiliser. Donc voilà un petit peu ce qu'on est amené à faire lorsqu'on programme en JavaScript. Donc et là on va aller, à, on va terminer là-dessus. On va regarder un petit peu la syntaxe du langage en lui-même, parce que là, pour l'instant, on n'a jamais parlé de... On a parlé uniquement de programmation fonctionnelle, on n'a pas encore parlé du langage qui nous intéresse aujourd'hui, et le langage qui nous intéresse aujourd'hui, qui est un langage de programmation fonctionnelle parmi tant d'autres, qui est le Haskell. Euh, et donc, pour pouvoir utiliser le Haskell, vous allez voir qu'on a euh, différents trucs. Donc là, on ne revient pas sur les, les paradigmes de programmation. Mais voilà, pour euh, utiliser du Haskell, on va avoir deux fonctions lambda. Alors, attendez, je vais démarrer un interpréteur Rascal. Donc, euh, vous verrez, dans le premier exo, on vous demande euh, d'installer euh, GHCI, etc. Donc là, j'ai mon interpréteur de commande GHCI. Bah, je peux commencer à fabriquer une fonction lambda. Donc, ces fonctions lambda, typiquement, par exemple, c'est euh, cette syntaxe-là. Cette syntaxe là. Et bien, je peux dire que euh, A... Alors, on voit A plus 10, OK Donc là, je fais let add ten. Donc là, je suis en train de définir une fonction Haskell, pardon. Je suis en train de définir une fonction Haskell qui apprend prendre un 1 en paramètre et qui va lui ajouter 10. Donc si je fais add 10 de 23, je récupère bien 33. Donc là, c'est la façon de faire d'écrire. En fait, cette syntaxe-là, c'est exactement cette syntaxe-là qu'on a en, en JavaScript. Ok Je pourrais dire mon, ma fonction add, let add c'est un truc qui prend A et qui renvoie un truc qui prend un B et qui renvoie A plus B. Donc si je fais add 10 et 23, je récupère bien 33. Ok donc là, vous voyez, pour, là, ce qui m'a intéressé ici, c'est de faire le parallèle entre cette syntaxe et cette syntaxe. C'est exactement la même chose. C'est ici, plutôt que d'utiliser des euh, double. Enfin, a égale flèche, c'est un moins flèche. Et puis, plutôt que d'utiliser le paramètre entre, entre parenthèses, là, on a un backslash, le nom du paramètre. Vous voyez que les syntaxes sont vraiment équivalentes. Donc, on peut euh, associer des noms à des, à des, euh, des expressions à des, à des noms. Donc là, quand j'associe cette fonction-là à ce nom-là, avec const, bah la syntaxe en ASCAL, c'est plutôt let add égal Et puis là, on, on met la valeur de l'autre côté. Donc là, on a des trucs comme ça, ok. Vous voyez que euh, on utilise vachement l'opérateur euh, ternaire. Nous. Jusqu'ici, là on utilise l'opérateur ternaire. Bah, l'opérateur ternaire en ASCAL, il ressemble plutôt à ça. Donc c'est if. On met la condition, then, on met une valeur, else, on met une valeur. Donc il faut forcément des valeurs ici, ici. C'est ce que je fais en fait là. Là, je mets forcément des valeurs. Contrairement à lorsqu'on est en train de faire euh, du, un langage impératif, lorsqu'on fait un if, on a forcément une valeur à l'intérieur du if, mais derrière le then et derrière le else, on a des blocs, on a des statements qui ne sont pas des valeurs. Donc l'opérateur ternaire nous permet de faire ce genre de choses. En revanche, en ASCAL, on a quelque chose qui existe, qui n'existe pas forcément. Euh, en langage impératif, alors ça existe un petit peu mais c'est le switch case euh, le case il va nous permettre de matcher en fait des résultats de, des valeurs avec, euh, enfin des variables avec des valeurs, donc c'est une espèce de if un peu plus plus, mais euh, c'est quelque chose que vous avez un petit peu plus l'habitude d'utiliser en C donc toujours pareil on a forcément des valeurs ici ici et ici, on n'a pas d'expression, on n'a pas des blocs et puis on a une syntaxe qui est vraiment très différente en ASCAL en Ascal, en fait, euh, vous voyez que depuis tout à l'heure, ici, j'ai vachement utilisé euh, ce truc-là. Ce truc-là, vous voyez que euh, le fait de vérifier est-ce que c'est supérieur à max ou est-ce que le truc est empty, etc. etc. on a souvent quelque chose, euh, on a souvent regardé quelque chose comme ça ici en, en JavaScript. On a une, une écriture en Ascal qui est un peu différente. Alors attendez, je vais ouvrir un éditeur Ascal qui sera peut-être un, peu un peu plus parlant. Euh, create new project. Hop. Donc en escale, par exemple, je vais ma fonction factorielle. Donc ma fonction factorielle, elle me prend un x en paramètre. Donc voyez que ça, c'est juste pour dire euh, quel est le type de la fonction. Par exemple, ma fonction add. Alors attendez. La fonction euh, add, si je lui dis que. La fonction add, je peux lui dire que c'est une fonction qui prend un a et qui prend un b et qui renvoie a plus b. Ça c'est quelque chose qu'on peut écrire en SQL. ok. Mais ce qu'on utilise plus communément, c'est plutôt. Attendez, hop, ce qu'on utilise plus communément, c'est quelque chose qui ressemble à ça. a, B et qui renvoie a plus b. Donc ça, c'est une syntaxe à laquelle vous êtes un peu plus habitué lorsque euh, vous euh, faites de la programmation euh, traditionnelle. Ici, si je regarde ma fonction add, il me dit c'est quoi Il me dit que c'est une fonction... Bon là, on ne le voit pas. Je peux dire que ma fonction add, c'est une fonction qui prend un entier, qui renvoie une fonction qui prend un entier, qui renvoie un entier. Ça, je peux lui dire ça. Vous voyez que ma fonction, en fait... Ça, c'est la, la signature de la fonction. Lorsque vous faites, par exemple, euh, du, euh, du C ou du C ⁇ vous avez une phase de déclaration de fonction et une phase de définition de fonction. La phase de déclaration de fonction, c'est sa signature. Par exemple, la fonction A dans C, lorsque je fais ça, je suis en train de déclarer la fonction. Lorsque je fais ça... lorsque je fais ça, je suis en train de déclarer la fonction. Et bien, en Haskell, on peut aussi euh, définir des fonctions, et on peut aussi les déclarer. Voilà un peu les deux syntaxes qu'on utilise pour définir et déclarer des fonctions. Lorsqu'on utilise des fonctions, par exemple, factorielle, euh, factorielle de n, bon, je vais refaire ma, ma somme. Donc, ma somme de n, c'est if, alors c'est euh, if n inférieur ou égal à 0, then 0 else euh, n plus de n-1. Alors, j'ai une parenthèse ici, peut-être. Et puis, le if, c'est avec un grand. Euh, pourquoi je l'ai pas, là bah, Oui, non. avec des petits if et des petits t je me suis trompé là de soutien de javascript à scale euh, au même moment if Zen? pourquoi il me prend la tête là ah c'est parce que euh, sum to n parce que l'opérateur le, le, sum il existait la fonction sum elle, elle existait déjà quoi. donc lorsque j'essaye de sum to n les éléments de 1 à 10 oui, que là, je récupère bien 55. Donc, ça, c'est une écriture possible, en fait, en ASCAL. Mais on a une autre écriture qui est un peu possible aussi, qui n'utilise pas les if et les n. Donc, cette écriture qui est possible aussi, c'est celle-là. Donc, euh, je fais sum to nn, n, par exemple. Bah, je lui dis que bah, si c'est 0, je renvoie 0. Sinon, si le truc s'appelle n, bah, je renvoie n plus 2n moins 1. Ça, ce sont deux écritures qui sont équivalentes. C'est-à-dire que euh, plutôt que de tester les cas, euh, que de tester les cas euh, dans le if, je peux aussi les énumérer et c'est-à-dire écrire autant de, fois que peut, enfin, autant de définitions euh, que je veux. en fait. Euh, les définitions, en fait, ça ressemble un peu lorsque vous faites du, euh, du template programming en, en, en C ⁇ vous, euh, dans les langages de template, vous avez les, euh, les euh, on appelle ça, les définitions euh, concrètes et puis euh, incomplètes. Enfin, je me souviens plus du nom, mais bref, vous avez la possibilité de vous dire comment se comporte la fonction lorsqu'elle a affaire à un membre qui vaut une telle valeur et comment elle se comporte dans tous les autres cas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est possible dans, dans du Haskell. La version en switch case aussi qui fonctionne. on a aussi quelque chose qu'on peut écrire comme ça, case f, n off. Là, si on a 0, on renvoie 0. Et si on a n, euh, non, otherwise, ça marche pas. Euh, si on a n, bah là, on renvoie n plus. Donc, ces écritures-là, elles sont équivalentes. Elles sont équivalentes, mais elles utilisent des syntaxes qui sont différentes de, dans, dans le langage. Quoi. Attends, ça, on peut un peu formater ça. Hop. ça en fait, c'est trois, trois fois la même fonction, mais euh, elles sont écrites en utilisant des syntaxes différentes du langage, mais qui sont équivalentes. Donc là, l'idée, c'est que vous allez euh, commencer à faire des, euh, des euh, du Haskell du sur, les, sur les premiers jours. Et l'idée en fait c'est de vous familiariser avec la syntaxe du langage, qui n'est pas très très compliqué en, en elle-même, mais pour réaliser des algos qu'il faudra fabriquer de cette façon-là, un peu comme on l'a vu en langage euh, impératif. Quoi. Mais l'idée derrière, c'est vous voyez, c'est systématiquement de vous dire comment est-ce qu'à partir de petites fonctions, je vais fabriquer des fonctions de plus en plus évoluées, de plus en plus euh, spécialisées, en fait. Donc comment ça va se passer sur les prochains jours Vous allez avoir deux jours de piscine suivis d'un projet final. Donc aujourd'hui, vous avez le jour 1 qui sera rendu demain. Euh, alors là, le calendrier, il faut décaler là sur le mardi. Donc aujourd'hui, vous avez le jour 1 qui est le, le mardi. Le mardi, vous allez avoir le jour 2 qui est le mercredi. Et le mercredi, vous allez le mini-projet qui est a, qui a rendu dimanche. Là, ici à Epictet Montpellier, on a pris la décision de décaler tous les jours en amont euh, pour un problème de planning. Donc euh, voilà. Donc sur les premiers jours, vous allez avoir des récursions, des listes manipulation, etc. Et puis demain, vous allez avoir des choses un petit peu différentes. Et puis euh, le projet de, 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 de fin de, de piscine qui se déroulera, enfin que vous, que vous aurez là dans, dans deux jours. Donc euh, j'espère que vous, vous avez pu euh, comprendre, voir un peu plus comment euh, se passait un peu euh, la, la syntaxe de la programmation fonctionnelle. Et puis bah, je vous souhaite bon courage pour cette, euh, cette piscine. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous solliciter si jamais vous rencontrez des soucis. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et euh, j'espère que tout se passera bien pour vous pour cette initiation. Ciao, ciao